Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose des souris d'agneau sur un écrasé de pommes de terre à l'huile d'olive, une recette que vous pouvez proposer à vos convives pour le réveillon de fin d'année. On aura besoin des souris d'agneau, de 50 g de beurre, de 8 gousses d'ail, du romarin, du thym et du miel. Une recette assez rapide à réaliser, assez simple aussi. Vous allez suivre les étapes au fur et à mesure, vous verrez, c'est assez simple. On aura besoin donc d'un filet d'huile d'olive que j'ai mis dans ma cuve en mode doré rissolage. Je fais dorer mes souris d'agneau sur toutes les faces, tous les côtés. Voilà, mes souris d'agneau sont bien dorées. Je les réserve et on va préparer notre sauce. J'ai mis 50 g de beurre dans ma cuve. On met à l'intérieur 4 gousses d'ail écrasées avec mon presse-ail. On fait revenir quelques minutes. Juste après, on rajoute nos 4 gousses d'ail restantes coupées en lamelles. Et on continue de faire dorer. Je rajoute 3 cuillères à soupe de miel. À chaque fois, vous rajoutez une cuillère, bien dissoudre le miel entre les cuillères pour éviter que ça colle et éviter les codes erreurs. On dissout bien, voilà, on dissout bien comme il faut, on remue. Je continue à faire dorer et je rajoute une cuillère à soupe de romarin et une cuillère à soupe de thym. Ça va donner du parfum à la viande. Voilà, après ces quelques minutes de rissolage, je vais rajouter 400 ml de fond de veau. Je rajoute mon bouquet de romarin et mon bouquet de thym. Et là, on remet nos souris d'agneau. Un petit peu de sel, pas beaucoup. N'oubliez pas que le fond de veau est déjà salé. Et on met une cuillère à café de poivre ou une demi, tout dépend si vous tolérez le poivre ou pas. Et là, ça va partir en mode sous pression, mode rapide, pendant 30 minutes. Alors, je vais accompagner mes souris d'agneau avec un écrasé de pommes de terre. Donc là, 1 kg de pommes de terre que j'ai coupé et épluché, épluché et coupé en petits cubes. J'en rajoute du sel et ça part en cuisson sous pression pendant 10 minutes.
Voilà, après 30 minutes de cuisson, voilà ce que ça donne. Ma viande est pratiquement cuite. Et là, je vais la mettre au four pendant 25 minutes à 200 degrés Celsius. Dans un plat, bien sûr, allant au four. Pendant que ma viande cuit au four, je vais créer ma sauce. Donc là, j'ai filtré d'abord ma sauce, puis j'ai rajouté 2 cuillères à soupe de maïzena. Et là, on crée notre liant. Voilà, je dissous bien ma maïzena et je la rajoute à ma sauce qui a déjà été filtrée. Et je mets en mode doré pendant quelques minutes pour épaissir ma sauce. Voilà, ma sauce commence à s'épaissir. Je laisse réduire le temps de préparer mes pommes de terre. Donc là, mes pommes de terre sont cuites. J'ai rajouté un filet d'huile d'olive et j'écrase mes pommes de terre tout simplement. Et là, on va passer en mode dressage. Donc à l'aide d'un cercle, j'ai mis mes pommes de terre à l'intérieur. Et puis là, je pose ma souris d'agneau. On va embellir notre souris d'agneau avec un petit morceau d'aluminium. Je rajoute par-dessus un petit peu de sauce sur ma souris d'agneau et mon écrasé de pommes de terre. Et voilà, il n'y a plus qu'à déguster. Je vous souhaite un bon appétit, un bon réveillon avec vos amis ou votre famille. Et puis on se dit à très vite.